Alors, petite actu sur tomsguide.fr. Une fuite confirme une batterie de 100 kWh pour la Model 3. Un hacker a trouvé la trace d'une batterie de 100 kWh n'ayant accès à l'ordinateur de bord d'une Model 3 en usine, en mode usine. Et qu'une telle capacité, elle pourrait dépasser les 650 km d'autonomie. Bah, on a vu précédemment, hein, que la Model S 100 kWh long range atteint déjà les 400 miles, donc 643 km. Donc la Model 3 qui est plus efficiente et plus légère. Du coup, oui, à mon avis, elle dépassera largement oui, même les 700 km peut-être. Alors que la Model S grande autonomie plus vient aussi seulement de se voir attribuer une autonomie de 400 miles, la Model 3 pourrait bien devenir la voiture pouvant parcourir la plus grande distance si les fuites concernant la batterie de 100 kWh se confirment. Il y a 6 mois, Grenzoni, un hacker très présent sur la scène Tesla, a décidé d'aller fouiller dans le logiciel embarqué de la Model 3. Ce processus d'ingénierie inverse l'avait conduit à quelques découvertes, parmi lesquelles un nouveau modèle de roue, un remplacement de capteur de pression des pneus. Mais c'est la présence d'une mention d'une batterie de 100 kWh qui avait retenu l'attention des médias et du public. Aujourd'hui, un autre hacker a obtenu l'accès à un ordinateur de bord d'une Tesla mode usine, Zeus M3, sans expliquer l'origine du matériel, a simplement posté une capture d'écran sur Twitter, faisant un clin d'œil à Grenzoni. Cette image montre une batterie de 100 kWh installée dans une Model 3, alors que le modèle vendu actuellement est livré avec une batterie de 75 kWh seulement. Il semble donc s'agir d'un prototype. C'est d'ailleurs ce que Grenzoni entend en répondant: je savais qu'elles existaient. J'espérais avoir accès à l'une d'entre elles très bientôt, mais il semble que tu m'aies battu. Il ajoute: je sais qu'il en existe plus d'une en dehors des laboratoires de Tesla. Plutôt que d'ajouter des cellules modifiant la forme du pack de batterie, il n'est pas impossible que ce soit une chimie différente qui permettra à Tesla ses 33% de gain de capacité. Voilà, bah écoutez, Zeus apparemment nous a dégoté une Model 3 super longue range avec 100 kWh de batterie. Donc clairement, oui, ça pourrait dépasser, je pense, les 700 km d'autonomie. En voilà une bonne nouvelle. Bon, reste à voir quand c'est que ça sera officiel et quand c'est qu'elle sera commercialisée. À mon avis, pas avant 2021, malheureusement. Je vous laisse réagir. Ciao!